Bonjour, je m'appelle Indra Carrillo, chef du restaurant La Condesa, Paris 9e. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette à base de radis et rhubarbe. On va commencer par éplucher les rhubarbes et ensuite on va les faire pocher dans un jus de fleur de hibiscus. Avec les fins des radis, on va les laver, les blanchir et faire un coulis. Donc on va saler fortement, ensuite on va plonger les fins des radis et toujours refroidir dans l'eau glacée afin de garder la chlorophylle. Une fois que les fans sont refroidis, on les récupère, on les met dans la cuve du blender et on va mettre un peu de réfort. Ensuite, on mixe la rhubarbe. Une fois que c'est refroidi, on va couper en fines brunoises. La brunoise est saumon. Maintenant, on a tous les éléments pour les tartares. On va les mélanger et assaisonner. Un peu de jus de citron, la vinaigrette rhubarbe hibiscus, un peu de zeste de citron, un peu de fleur de sel et on va assaisonner. Avec les navets et les radis, on va faire un jus. On va crémer et mettre au siphon pour avoir une espuma. Prendre des radis multicolores, on va assaisonner avec un petit peu de vinaigrette. Maintenant, on va dresser, on va faire un cercle avec la brunoise, un petit peu de fleur de sel. Donc, on va verser la sauce de fin des radis, les jus de radis. Ensuite, on va saupoudrer avec les radis séchés. La chapelure de pain, des petits radis, la texture. Régalez-vous et à bientôt à La Condesa!